on limits. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Fubon. A tous ceux qui vous invitent à vous abonner, cliquez là, c'est abonnez-vous, activez la cloche, n'avez pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos. Oui, et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, vous pouvez faire les dons sur PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description. Que Dieu vous bénisse. Nyan's Fubon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Fubon. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir ici, chez nous, sur la chaîne Nyan's Fubon. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous comme on vous l'a dit. Et soyez prêts pour ce History Time extraordinaire ce soir. Oui, ils se sont réconciliés après tant de problèmes qu'ils ont eus. Finalement, ils se sont réconciliés. Mais, voilà. Mais, pourquoi le mais? Vous allez comprendre. De qui il s'agit ici? Il s'agit de deux personnes très connues. Il suffit tout simplement que je vous dise le nom et vous allez savoir de qui il s'agit. Mais vous avez déjà des indices. Deux personnes qui étaient au départ de vrais amis. Ils se cotisaient même pour louer les maisons. Ils faisaient tout ensemble. C'était une famille. Ils se soutenaient. Mais à un moment donné, là, vous savez que à un moment donné, quand on avait quelqu'un que le succès commence à venir, parfois le diable qui voit de bonnes choses qui peuvent se créer autour de vous, là, il peut créer quoi? La division. Regardez ce qui est derrière là. Qu'est-ce que c'est? Ça, ici, regardez. Quand je me positionne au milieu, c'est soudé. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est comme si lui, c'est le premier, la première personne et l'autre, c'est la deuxième personne. Quand les deux sont ensemble, là, c'est soudé. Et quand je me positionne là, là, c'est propre. La vidéo apparaît bien parce que nous sommes ensemble. Ça veut dire que quand les deux sont ensemble, là, la puissance qui est à l'intérieur, qui est récemment la gloire qui est là-bas, là, ça s'agrandit. Donc, l'ennemi, quand l'ennemi voit un tel truc, lui, il aura tendance à mettre la division ou encore la séparation entre eux pour ne pas voir les étoiles briller. Même dans le monde, hein, vous voyez que le diable, il attaque même ceux mecs qui ne sont même pas chrétiens. Donc, ce n'est plus une histoire même de chrétien ou pas. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire que vous soyez chrétien ou pas, le diable, il est là et il va vous attaquer forcément. Donc, vous soyez protégés par le Seigneur Jésus-Christ qui va entrer aujourd'hui dans votre vie. Quand les deux étaient ensemble, tout allait bien. Mais, à un moment donné, le diable est venu et il les a séparés comme ça. Regardez, séparés comme ça, ils étaient divisés. Qu'est-ce qui reste au milieu? Plus rien. Ils sont divisés. Et depuis ce jour-là, c'est la guerre sur la guerre. Des clashs sur des clashs. Ça ne va jamais, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Chaque jour, un autre arrive. L'autre jour, l'autre arrive. Ça s'attaque. Et les injures que les deux proféraient, même sur les réseaux sociaux, franchement, ce n'est pas bon à entendre. À un moment donné, les deux personnes ont commencé à grandir, à prendre de l'âge. Ce qui dit prendre de l'âge, ça veut dire également prendre de la maturité, grandir en maturité. Et voici que l'un d'entre les deux sera confronté à un problème de la justice. Où celui qui est là, ici, là, voilà, ils sont séparés, non? Voilà. Le premier qui est ici, là, lui, il aura des problèmes avec la justice. Voyez-vous? Maintenant, l'autre qui est là, qui est censé être son ennemi, là, ou encore avec qui ils sont en guerre, là, bizarrement, ce jour-là, quand il va voir la situation à laquelle sera confronté son vieil ami, ou qui est devenu son ennemi aujourd'hui, quand il va voir cette situation-là, son cœur sera vraiment
peiner pour lui. C'est-à-dire il sera pas à l'aise, il sera pas content. Il ne sera même pas à l'aise même. C'est-à-dire il va sentir dans son cœur, genre l'amour qu'ils avaient avant là va revenir dans sa vie. C'est-à-dire dans son cœur. Il va dire ah non 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 non, je veux pas qu'il aille en prison. Même si nous sommes ennemis, c'est pour le travail, c'est tout. Sinon, franchement, moi, je sais tout sauf le mal à mon prochain. C'est à ce moment-là que lui qui est là, il va tout simplement se mettre à faire quoi? Une vidéo pour donner des conseils à ce dernier qui est son ancien ami. Et il va lui dire, c'est vrai, nous sommes ennemis. Mais moi, je ne veux pas te voir là en prison. Voici des stratégies que tu dois adopter pour pouvoir résoudre ton problème. Quand nous avons vu ça, franchement, nous avons été dépassés. Et tous ceux qui étaient derrière ce dernier qui est là, ils lui disaient, oh, ton vieil ami là, il ment, c'est du mensonge, ce qu'il est en train de dire là. Oh, c'est pour te blaguer. Mais vous dites que c'est pour le blaguer, c'est pour l'amener vers la mort. Mais si ce qu'il a dit là peut l'arranger là, où est-ce qui est mal dans ça? Où est-ce qui est mal? Ça veut dire que les deux personnes sont faites pour s'entendre. Mais les gens qui sont derrière eux là, ce sont eux qui sont les mères. Ce sont eux qui sont à la base même de leurs soucis. Sinon, quand vous les regardez les deux, il n'y a rien. Même ce dernier qui est là, le premier qu'elle a, souvent, il fait du bien même à la maman de son ami ou de son vieil ami avec qui il est ennemi en ce moment. Ça veut dire qu'en réalité, les deux ne sont pas faits pour être divisés. Mais des gens qui sont autour, par qui le diable passe, mais la crée la zizanie ou encore crée la division afin que les deux étoiles ne puissent pas fusionner pour qu'on reçoive quelque chose de puissant venant d'eux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Là, ça va être chaud, hein? Ça va être chaud. Et ça se passe où? Dans le monde. Ici, vous n'avez pas dit, oh, Seigneur, c'est moi, on attaque. C'est comme ça, c'est les chrétiens, c'est moi, on attaque. Même ceux qui n'ont pas, qui ne connaissent même pas Dieu, on les attaque aussi, le diable les attaque aussi. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, nous devons comprendre que le diable, Satan, il est l'ennemi de tous les humains. Que vous soyez bon ou mauvais, le diable c'est votre ennemi. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire attention. Maintenant, voici ce qui va se passer. Aujourd'hui, pendant que je faisais des recherches, je suis tombé sur une vidéo où j'ai vu ce dernier là. Voilà. Qui parlait et il répondait à certaines personnes qui étaient mécontentes de ce qu'il venait de faire, de ce qu'il venait de poser comme action. Moi, je ne savais pas. L'équipe Mieux Souvent ne savait pas. Mais nous avons pris le soin de l'écouter. Et pendant qu'on l'écoutait et qu'on a entendu ce qu'il a dit, nous avons compris que vraiment c'est extraordinaire. Nous sommes allés en profondeur pour voir si là c'était vérifié. Et effectivement, voici ce qui s'est passé. Nous allons tout vous le dire dans ce History Time. Soyez prêts. Bien, cet homme qui est là, il dit, comme vous le savez déjà, je me suis réconcilié avec mon ami. Ah! Il dit avec mon ami. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça veut dire que par là, quand on entend ça déjà, ça veut dire que, en clair, eux-mêmes, ils s'aimaient déjà. Ils se voyaient comme des amis. Comme des parents, comme une même famille. Mais à cause des gens qui sont derrière là, c'est pourquoi ils sont divisés. Et il va plus loin pour dire, je me suis réconcilié avec mon ami, mais voici des gens qui sont contre ce fait, contre cette histoire, contre ma décision. C'est à cela que je vais répondre aujourd'hui. Quoi? Ça veut dire que ce dernier-là, il a compris que, effectivement, ce sont des gens qu'il appelle même des sorciers. Lui-même, un homme du monde, hein? Il dit, vous, c'est à vous les sorciers là que je parle. Il dit, mais what? Un homme du monde qui dit les sorciers. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'effectivement,
C'est pas quand on a seulement Dieu dans sa vie qu'on est attaqué par le monde des ténèbres ou encore par les sorciers. Même quand on est dans le monde, on est attaqué par les sorciers aussi. Ça veut dire que les gens se réveillent. Même dans le monde, les gens commencent à se réveiller et commencent à comprendre que Jésus est Seigneur. Hey, si seulement tu pouvais continuer dans ce chemin jusqu'à rencontrer Dieu, ça serait trop chic. Ça serait trop intéressant. Ton histoire sera extraordinaire. Yeah! On aimerait voir ça. Que Dieu nous donne longue vie. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer les prochaines vidéos. Qui sait, peut-être que ça, nous allons arriver jusqu'à là. Et là, franchement, ce jour-là, je vais manger un poulet en direct. Ah! Il dit, vous qui êtes fâchés, même vous, qui vous faites passer même pour mes fans, et vous êtes fâchés parce que je me suis réconcilié avec mes amis, c'est vous-même les sorciers. Hein? Et il va aller même plus loin pour attaquer même son ministre. Pour dire à son ministre, toi tu veux faire une vidéo parce que tu es mécontent que je me sois réconcilié avec mon ami. C'est comme si tu m'attaquais moi-même sans le savoir. Ça veut dire que en ce moment-là, les deux, c'est-à-dire il a compris qu'effectivement, ce sont les gens qui sont tous deux là, qui sont à la base de leurs problèmes. Donc, il est en train d'essayer de régler le problème petit à petit en mettant les points sur les i. Vous allez voir, si tu regardes cette vidéo, ou même si vous deux, les deux mecs qui regardez cette vidéo, et si ceux que nous sommes suivis et que souvent même vous regardez nos vidéos, si tu tombes sur cette vidéo, il va te dire, faut bien ouvrir les yeux. Ceux qui sont à la base de vos problèmes là, un à un, ils vont commencer à se dévoiler. Vous allez les voir vous-même, vous serez étonné. Vous allez les voir de vos propres yeux comme ça, vous allez dire, hein? Ah! Et quand on l'entendait parler, on pouvait comprendre réellement que les deux se sont mis ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit, que il sent que dans le futur, les deux, franchement, vont faire quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'il a compris qu'effectivement, quand les deux sont ensemble, ils font des choses magnifiques. Ils peuvent faire des trucs qui peuvent dépasser ce niveau. Et si vous acceptiez Dieu et que vous fusionnez toute votre puissance, votre don dans les histoires de Dieu, qu'est-ce que ça va donner? Avec la puissance de Dieu qui va se dégager sur vous. Ah! Dieu a besoin de vous chez lui. Il a besoin de vous dans son royaume. Il a besoin de vous pour amener tous ses enfants à lui. Et si vous acceptiez Dieu maintenant et que Dieu lui-même il venait se positionner au milieu comme ça de vous comme ça, c'est-à-dire entre vous deux là pour former un duo pour fracasser comme ils aiment le dire. Ah! Vous devez retenir que c'est pas étonnant que deux personnes qui se sont on peut dire attaquées longtemps se réconcilier aujourd'hui. C'est quelqu'un va dire que c'est rare, c'est possible. Mais pour nous, ça ne nous étonne pas. Quand il y a de telles situations qui arrivent, c'est que ce qui arrive là, c'est grand. Et c'est une manière pour Dieu de montrer aux humains que pardonner à son prochain, là, ça fait tomber beaucoup de choses, ça règle beaucoup de problèmes. Ça aussi, c'est source de bénédiction. Ça fait même briller ton étoile. Si tu as des problèmes avec quelqu'un là, que tu sens que franchement, dans les actions que pose ton ami, tu vois que il y a des bonnes choses à répéter. Tu sens que c'est vrai, vous êtes en guerre, mais il te donne beaucoup de conseils. Il te dit non, faut pas faire ça, c'est bon, on est ami. Faut te réconcilier avec la personne. C'est que la personne t'aime, mais il y a des gens derrière là qui sont à la base de vos problèmes. Maintenant, vous les mecs qui êtes derrière là, mes frères et sœurs, vous les deux, c'est à vous que je vais parler parce que les mecs qui sont derrière qui sont en train de dire non, on n'est pas d'accord pour votre réconciliation. Ils seront toujours là. Ils seront toujours là. Ils vont même se multiplier. Mais vous devez rester solide et ferme sur votre décision et marcher ensemble. Parce que quand vous êtes en guerre contre quelqu'un, c'est-à-dire vous avez grossi le cœur contre quelqu'un, vous n'avez pas pardonné, vous ne méritez pas le royaume des cieux. Ah! Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a pardonné à ceux qui l'ont tué. En plus, il s'est ressuscité, il est revenu à la vie 3 jours plus tard pour montrer à ces gens-là que lui n'a rien contre eux et que c'est Dieu lui-même qui avait tout prévu. Mais frère, ça c'est incroyable.
Réconciliez-vous aujourd'hui. Prenez exemple sur les deux et marchez. Marchez, mes frères et sœurs. Même dans le monde, même ceux qui ne connaissent pas encore Dieu réellement, eux, ils se réconcilient maintenant. Ça veut dire que nous, les vrais chrétiens, nous qui sommes censés être les vrais hommes de Dieu, nous devons également nous réconcilier et trouver le bon chemin, le chemin de Dieu. Même vous-même qui êtes ces femmes qui s'est divisé parce que les deux étaient en guerre là, c'est le moment de faire maintenant des vidéos sur les réseaux sociaux pour dire c'est vrai, nous étions en guerre. Moi aujourd'hui, ceux qui sont à la tête là de nos groupes respectifs se sont réconciliés. Donc on abandonne tout, on abandonne nos voies pour revenir sur leur voie, on marche sur leur chemin. Il faut qu'on avance avec eux et qu'on les soutienne. Si vous êtes d'accord avec ça, le Seigneur, j'aime. Imaginez, vous êtes fan de quelqu'un, vous aimez quelqu'un, et puis la personne en guerre contre une autre personne, automatiquement vous devenez ennemi. Mais dès que cette personne-là devient amie à son ennemi-là, mais applaudissez, c'est pas beau ça, c'est beau. Et quand vous regardez la photo, c'est extraordinaire. Que pensez-vous de cela? Réagissez dans la partie commentaire, on aimerait bien savoir. Peut-être que nous ferons une autre vidéo pour vous dire ce qui s'est passé par la suite. Franchement, ça va être chaud. Soutenez-moi. Si vous êtes content, soutenez-moi. Laissez un j'aime, abonnez-vous et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo. Oui. Nous sommes contents parce que c'est toujours un réel plaisir pour nous de voir des personnes se réconcilier. C'est ça, Alliance Rebond. Et c'est même ça nos combats. C'est pourquoi Alliance Rebond, cette chaîne où vous êtes, est née. Nous avons encore 6 autres chaînes. Abonnez-vous sur toutes les chaînes. Sur toutes les 6 autres chaînes. En cliquant sur Alliance Rebond, en dessous de si vous avez abonné, vous allez vous retrouver tout simplement sur la page d'Alliance Rebond. Vous allez voir, abonnez-vous aussi ici. Et let's go! Abonnez-vous en dessous de chaque logo jusqu'à ce que vous êtes abonné sur toutes les chaînes Alliance Rebond. Et préparez-vous pour les choses extraordinaires qui vont encore venir! Ça ne fait que commencer. Ça va être chaud. Je suis chaud! Même. Je suis chaud! Il y a parce que je suis chaud! Yeah! Si vous êtes chaud, laissez un j'aime. Et montrez-nous combien de fois vous êtes content en laissant en dessous un bon commentaire pour les soutenir ou encore les encourager. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. On se reparle. Go!